C'est parti là. Top. Bonjour à tous. Alors, je vois que vous arrivez petit à petit et c'est super. Bienvenue à tout le monde. Il est 10h57. On va attendre. On a 3 minutes devant nous pour laisser aux autres participants le temps d'arriver et de démarrer à 11h comme prévu. Merci de votre patience. Merci de votre présence. Et on va démarrer donc dans 3 minutes. J'ai pas de vidéo, j'ai pas de son. Je n'ai pas de vidéo, je n'ai pas de son. Là, je n'ai pas de vidéo, je n'ai pas de son. Bon. Moi, ça fonctionne, je pense. Ça y est, est-ce que tu me vois, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends, Swazik? Je t'entends très bien. Génial. Alors, on va démarrer. Je fais les derniers petits réglages. Parfait.
Est-ce que tu me vois également, Soizic? Oui. Génial. Parfait. Alors, bienvenue à tout le monde. Ça y est, on y est. C'est le lancement de la série de webinaires de Perf & Go. On est le jeudi 15 avril 2021 et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on relance les webinaires de Perf & Go. Perf & Go a été rebrandé pour ceux qui connaissaient Perf & Go. Et donc, c'est vrai qu'on a une émotion particulière parce que après un travail de positionnement et de rebranding, on vous montre à ceux qui sont présents et on vous remercie la nouvelle version de Perf & Go. Alors aujourd'hui, on est réunis. Pourquoi ? On est réunis pour vivre un joli webinaire de 45 minutes autour des New Basics de l'infrastructure RH. Moi, je suis Emmanuel Henao et je vais vous dire en quelques mots ce que l'on va faire pendant 45 minutes. Tout d'abord, je suis en train de le faire, je suis en train de vous accueillir on vous accueille pour vivre ensemble une conversation. Voilà, une conversation, vous êtes tous des professionnels, vous portez tous un regard intéressé et c'est pour ça que vous êtes là sur le développement du capital humain dans votre organisation. Et donc vraiment, ce premier format, c'est faire connaissance, c'est vous exposer et explorer avec vous des sujets clés que l'on va voir tout de suite et bien entendu, d'échanger soit en direct grâce au module de questions-réponses, mais surtout ensuite à la suite de ce webinaire. J'espère que vous aurez envie de cultiver cette relation avec Perf & Go pour continuer à parler de ces sujets clés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va vous parler de Perf & Go justement pour que vous sachiez qui on est. Et puis ensuite, on abordera nos trois sujets que vous voyez apparaître là. On les a annoncés, c'est le marketing et les nouvelles pratiques RH, c'est la data et les nouvelles pratiques RH, et également un sujet que l'on vit tous, c'est le remote, le télétravail. On est de manière choisie ou pas choisie d'ailleurs, depuis plus d'un an maintenant, confronté à cette nouvelle pratique de travail. Donc, on en parlera également. Et voilà, Soizic, vous la voyez depuis tout à l'heure et je vous la présente officiellement. On va vivre avec Soizic 45 minutes de réflexion et de partage d'expérience. Soizic, merci beaucoup d'être là. Merci à toi, voilà, de m'accueillir. Soizic est la CEO de Smart Metrics. On est évidemment très liés, Perf & Go et Smart Metrics. On va vous l'expliquer tout à l'heure. Soizic, qu'est-ce que tu veux dire un petit mot de bienvenue? Oui, bienvenue à tout le monde. On est vraiment très content, comme l'a dit Emmanuel, de reprendre cette série de webinaires autour de la fonction RH, autour de la fonction People. Bien sûr, faire en sorte qu'on crée une intelligence collective, qu'on crée plus d'impact ensemble. Donc, le but du jeu de cette série de webinaires, c'est de casser un tout petit peu les codes et d'échanger, de créer de la dynamique. Pour apporter de la valeur, sachant qu'on est riche de plein de perspectives et que ça va être très, très fun. Exactement. On veut élargir la perspective, enrichir la perspective de vos pratiques professionnelles sur les sujets people. Et donc, je suis sûr qu'avec Soizic, on va dynamiser, grâce à Soizic, on va dynamiser justement cet enrichissement de nos perspectives respectives. Tiens, ça, je ne l'avais pas prévu, celle-là. Perspective respective, c'est pas mal. Allez, on continue. Ensuite, vous l'entendez, c'est nourrir cette intelligence collective. On est tous réunis pendant 45 minutes. C'est la magie du digital, justement, de pouvoir être ensemble et de pouvoir interagir ensemble. Et donc, ça s'appelle l'intelligence collective. On va la mettre en œuvre sur ces sujets passionnants que portent l'infrastructure et la fonction RH dans nos organisations depuis quelques années, avec une accélération extraordinaire depuis l'année dernière, notamment sur la partie digitalisation. Donc, on veut vous entendre et échanger avec vous. C'est ça, ce format de webinaire. Et finalement, ce que je peux vous dire, c'est que nous souhaitons valoriser cette extraordinaire dimension que nous représentons tous, nous les gens, nous les personnes qui composons l'organisation. Voilà, et donc, tout ce que l'on va traiter, c'est en perspective de chacun d'entre nous à l'intérieur de l'organisation, puisque nous sommes les agents premiers du changement de l'organisation et de l'action dans l'organisation. C'est un leitmotiv que nous partageons avec Smart Metrics et Soizic.
Tout passe par l'action, par la mise en pratique, par le passage à l'action. Est-ce que c'est bien notre leitmotiv, Soizic ? Complètement, complètement, complètement. Sachant que l'action et l'expérience nous montrent généralement qu'on doit s'adapter, qu'on doit s'agiliser. Et c'est véritablement une période très, très riche à vivre pour les professionnels RH, pour les dirigeants, pour les managers, parce que ça demande de revoir nos perspectives, de revoir l'expérience. Voilà, et donc on a le sentiment qu'il y a plus de complexité, qu'il y a plus d'éléments à appréhender. On a évidemment aussi l'imprévu et le niveau d'incertitude. Et donc, comment est-ce que justement ce passage à l'action s'appréhende dans un contexte comme celui-là? Soizic est une spécialiste de cela et elle pourra nous partager son expérience, j'en suis sûr. Alors, rapidement également, c'est important, on vient de vous expliquer un petit peu comment on voulait vivre le format et pourquoi on était là. C'est donc Perfengo qui vous reçoit ce matin. Perfengo, c'est le premier Assessment et Learning Center d'Afrique de l'Ouest dédié aux professionnels RH. J'en profite pour saluer Frédéric Kinge qui est là et qui est le responsable commercial de Perfengo. Salut Frédéric, merci. Je sais que tu as fait venir à nous beaucoup de participants et donc je mets une dédicace à tous les participants qui sont relationnés directement à Frédéric et je salue évidemment tous les autres. Merci à vous, vous arrivez petit à petit, on est une grosse vingtaine, c'est génial. Alors Perfengo, c'est ça et c'est trois offres principalement de services. Évidemment, vous l'avez compris, nous sommes là et Frédéric est là pour vous détailler, vous préciser ce que l'on fait. Il sera heureux de rester en contact avec vous. Ce sont donc trois axes d'intervention. Un access assessment, c'est donc toute notre batterie de tests et de solutions psychométriques et d'analyse comportementale. On est fan, on est complètement fan des soft skills et de l'analyse comportementale et qui nous permet dans des contextes variés de diagnostic, de cartographie et de développement des compétences au service du recrutement, au service de l'évaluation, de mettre à votre disposition des solutions, encore une fois, d'assessment digitalisées. Et donc, on a une très belle expérience et un joli service à vous proposer dans ce domaine-là. Le deuxième axe d'intervention de Perfengo, c'est, et là, on est nous-mêmes, c'est une opportunité qu'on a saisie dans la période, on a digitalisé nos contenus d'apprentissage autour des problématiques et des enjeux RH et People. Et donc aujourd'hui, on développe un catalogue de formations en ligne et de coaching en ligne qui s'adresse justement aux pratiques de la fonction RH. Voilà, donc on en fait un petit peu la pratique aujourd'hui grâce à ce webinaire. Et donc nous structurons une offre avec des sujets et des thématiques, des modules que l'on met à vos dispositions pour progresser et pour appréhender les nouvelles pratiques et les nouveaux enjeux de votre fonction RH. Ça, c'est Boost Academy. Et finalement, le troisième axe d'intervention, c'est tout simplement qu'on est votre business partner et que donc on vient diagnostiquer et on vient vous accompagner pour implémenter vos chantiers, vos projets de transformation, toujours évidemment dans ce domaine du capital humain. Ça prend la forme de sessions de conseils, de workshops, de webinaires. On travaille avec Smartmetrics beaucoup sur cet axe-là et sur la dimension coaching individuel et collectif. Voilà nos trois axes d'intervention. N'hésitez pas, en questions-réponses, dans le petit module, à nous poser des questions sur le sujet. On les traitera peut-être maintenant, mais sûrement on les gardera et Frédéric, notamment, vous répondra sur ce que l'on est, sur notre identité, sur ce que l'on vous propose. J'espère que j'ai été clair. Je continue. On y va ? Soizic, tu es prête ? Yes. Alors, on commence. Ça y est, on y est. Le sujet marketing RH. Waouh ! Ça, c'est un grand, grand sujet. Passionnant. On vous a proposé trois sujets, marketing, data et remote. On est dans une période extraordinaire de transformation. On est tous impactés par ces nouvelles pratiques. Les comportements des candidats évoluent, les comportements des collaborateurs évoluent. La position de la fonction RH depuis quelques années maintenant prenait beaucoup d'importance et crée des tensions également dans les organisations en fonction de la culture de l'organisation, de son management. Et donc aujourd'hui,
on arrive à préciser un petit peu mieux certains sujets, et c'est ces sujets qu'on a voulu développer avec vous. Alors attention, hein, on est là en mode vraiment exploration, on a 45 minutes, et donc on va vous donner quelques éléments de réflexion que Soizic va nous aider à décrypter. Mais l'idée, évidemment, c'est que vous choisissiez les éléments qui vous intéressent particulièrement, et pour qu'on puisse, dans un deuxième temps, approfondir avec vous et réfléchir avec vous ce à quoi vous êtes confronté. On commence, Soizic ? Oui. Allez, on y va. Donc, marketing et nouvelles pratiques, on a identifié pour vous 5 tendances principalement à explorer. Et la première, ben voilà, on ne fait pas de mystère, hein, on ne tourne pas autour du pot, c'est cette fameuse expérience collaborateur. Moi, ce que je choisis peut-être pour te lancer, moi, ce que j'observe, c'est finalement le timing des choses aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on veut que ça aille plus vite, que le niveau de patience des candidats ou des collaborateurs dans leur fonction est moins haut qu'auparavant. On veut être recruté, trouver le bon job plus rapidement, on veut trouver la bonne boîte plus rapidement. On veut aussi être dans sa mission, être intégré dans une société rapidement. On fait très vite, on sait très vite si on est bien ou on n'est pas bien. On donne moins de temps au temps. Est-ce que c'est un premier facteur sur lequel l'expérience collaborateur doit se pencher ? Complètement, en fait. Moi, j'aime beaucoup cette dimension de marketing RH. C'est vrai que c'est une dimension qui date peut-être d'il y a 15 ans, 20 ans, et qui évolue énormément, notamment avec la population, avec les employés, avec les salariés, avec les outils que les organisations sont obligées d'intégrer. Cette expérience collaborateur, moi, j'adore cette formule, parce qu'en fait, avant, on pouvait parler de parcours employé, de parcours salarié, de parcours collaborateur, et ça change. Et ça, c'est génial. Pour moi, plus que le temps, je pense qu'il y a une exigence en fait qui s'affine et qui devient de toute façon de plus en plus présente, c'est la qualité du service en fait de la fonction RH, la qualité que les professionnels RH doivent apporter, que ce soit à l'organisation, que ce soit aux collaborateurs qui sont des clients, et ça c'est génial. Et donc, il y a des mécanismes, en fait, que les professionnels RH doivent intégrer pour s'assurer de répondre à toutes ces questions. Donc, bien sûr, le temps, parce que ça coûte cher, un recrutement, par exemple. Plus un recrutement dure longtemps, plus il nous coûte de l'argent. Plus on a un espace, en fait, où on a un poste, en fait, qui n'est pas comblé, plus ça nous coûte de l'argent. Plus on est une personne qui… Plus on a une inadéquation entre la personne, entre le job, entre la fonction… Ça nous coûte de l'argent. Donc, effectivement, ça demande d'être très conscient. Ça demande d'avoir une vision critique, une vision objective des choses. Et bien sûr, de jouer avec le facteur temps, de jouer avec le facteur qualité, de jouer aussi avec l'innovation et pour faire en sorte que l'expérience collaborateur soit bien meilleure. Et ça, c'est un des gros sujets que les RH vont devoir traiter en 2021, en 2022, 2023, et surtout en Afrique, parce qu'on a des exigences en fait, qui augmentent, on a des générations qui sont très challenging, très challengeantes, et ça, c'est fun. J'ai un exemple assez précis, Soizic. Alors, c'est un petit élément parmi cette expérience collaborateur, mais on dit souvent que lorsque quelqu'un arrive dans une boîte, son manager doit le voir très régulièrement, peut-être 15 minutes par jour pendant un certain temps. Et je crois qu'on est à peu près tous d'accord. Et en fait, on bascule tous très vite dans plutôt, oui, on va plutôt prendre 2 heures à la fin de la semaine ou même 2 heures à la fin du mois. Et donc, c'est pour ça que je parlais aussi un peu de temps, c'est-à-dire que en l'occurrence, je parle plutôt de fréquence. Mais est-ce que c'est ça l'expérience collaborateur également ? Est-ce que c'est cette capacité à créer un cadre où on reste en lien, où véritablement il y a du lien, de l'accompagnement, de l'écoute ? Et je crois que nous-mêmes, on a tous fait l'expérience, on se détache assez facilement de cela. Donc ça paraît à la fois très facile, très évident, 15 minutes par jour pour accompagner un nouvel entrant dans une boîte, pour basculer dans ben non, mais on se verra à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Et en fait, là, on ne fait plus ce qu'on a dit.
Ouais, c'est un point super important que tu traites parce que, bon, avec le télétravail, avec la distance, avec également cette accélération en fait de tout ce que l'on est en train de vivre, ça demande aux professionnels RH d'être vraiment très très proches des dirigeants, très très proches des managers et de les accompagner dans cette dimension de proximité, même de la proximité en fait à distance, hein. C'est curieux comme formule, mais c'est extrêmement important. Donc, s'assurer que les managers, en fait, prennent du temps, écoutent, communiquent. Et c'est là où on parle de marketing aussi, parce que cette expérience collaborateur, cette expérience manager, cette expérience organisationnelle, ben, elle doit se construire, elle doit à un moment se structurer, elle doit se processer. Et c'est là où le RH a tout son rôle à jouer. Moi, il y a une chose qui me touche beaucoup en ce moment, c'est le fait que le leadership aussi, le leadership dont on parle beaucoup en organisation, ça, ben, évolue. La façon d'exprimer son leadership, la façon de l'implémenter, la façon de guider, la façon de communiquer. Et ça demande pour les RH, effectivement, de sortir de leur fonction, ben, encore une fois, gestionnaire, encore une fois, manager, pour aller vers eux-mêmes ce leadership, effectivement, qui doit se réinventer constamment parce que le changement. Alors bienvenue, bienvenue à tous ceux qui arrivent là. C'est super, on est nombreux ensemble et je vous précise mon rôle. Je suis Emmanuel Henao et donc j'anime ce webinaire. Et en même temps, vous venez de découvrir que j'avais un vrai rôle, c'est celui du timekeeper, du gardien du temps. Parce qu'avec Swazik, elle est tellement passionnée que quand elle se met à parler des sujets qu'elle aime, on ne peut plus l'arrêter. Donc on va avancer parce que je vous le répète, ce format, il a vraiment la volonté de rentrer en contact pour pouvoir continuer à nous parler et à explorer vos problématiques et vos enjeux. Le petit module questions-réponses, c'est maintenant, n'hésitez pas, on va traiter ça au fur et à mesure, mais allez-y, intervenez. Swazik, deuxième point, culture d'organisation, pardon. T'as une petite question, effectivement, de Arnaud qui demande si on peut réduire le zoom. Effectivement, la présentation, réduire la taille de la présentation pour qu'on puisse me voir. Alors, La présentation. je regarde ce qui est possible de faire. Alors, Et ça me permet de rebondir sur la culture d'organisation, c'est ça? oui, absolument. Et Moi je sais que tu es passionné par cela. bien. Alors, excusez-moi, je suis un peu perdu. Je ne sais plus très bien ce que je dois faire. Bon, on va continuer comme ça pour l'instant. Je suis désolé. Choisis qu'on voit bien l'écran quand même ou pas? On voit une partie de ton écran, effectivement, la présentation est coupée. Ah, d'accord, ok. Bon, je vais voir comment on peut régler ça. Alors, la culture d'organisation, évidemment, c'est un super grand sujet. Mais moi, je te mets sur la piste, Swazik, et ça rejoint l'idée d'expérience employée ou collaborateur. Aujourd'hui, c'est comment on allège et on décomplexifie cette relation de la culture avec justement l'employé et le collaborateur. Je sais que tu m'as partagé il y a quelque temps des cultures DEC extraordinaires, comme celui de Tesla, de Netflix, donc des très grandes marques, des très grosses boîtes qui portent une culture très forte et qui appréhendent justement le marketing de ce qu'elles sont, donc à travers leur culture et la manière de l'exprimer, tout à fait différente et donc très décomplexifiante, on va dire, pour que le collaborateur se disent pas, ok, top, c'est une charte, c'est un texte, je sais que je suis baqué. Non, là, c'est formulé de manière à ce que chacun se dise, ok, si je veux en être, voilà ce que je dois faire. Ouais, complètement. Pour moi, c'est un sujet essentiel, en fait. C'est vrai que c'est un sujet qui paraît complexe, mais on peut pas faire de business, on peut pas entreprendre, on peut pas diriger, on peut pas manager, pour moi, sans culture et sans valeur. C'est super important c'est super important à mon sens quand on veut attirer des personnes, des talents, quand on veut retenir des gens, quand on veut que ces personnes en fait donnent le meilleur d'elles-mêmes, eh bien d'avoir un discours très clair et d'avoir aussi des formats très clairs pour partager sa culture d'entreprise. Je crois qu'un des enjeux que les organisations vont avoir, et surtout en Afrique, et c'est pour les professionnels RH, donc les professionnels people leaders qui vont se retrouver dans ce travail de réflexion et dans ce travail de traçabilité, mais ça va être de s'assurer que les collaborateurs puissent se réapproprier au final le projet d'entreprise. Pourquoi est-ce que cette entreprise est sur le marché? Qu'est-ce qu'elle veut apporter comme valeur à ses clients ou à d'autres parties prenantes?
Moi, je vois de plus en plus, en fait, des gens, et ce n'est pas que des jeunes, des moins jeunes, qui veulent du sens dans leur travail, qui veulent savoir pourquoi ils font les choses, parce que, bah, parce qu'à un moment, en fait, quand on vit toute cette accélération, quand on vit au final aussi avec la crise, cette pression, ce stress, eh bien, la seule chose qui fait qu'on va s'engager, qu'on va performer, qu'on va continuer à y croire, eh bien, c'est de se dire, OK, je travaille pour une super boîte avec laquelle je suis en alignement sur les valeurs, sur la façon de manager, sur la façon de traiter les clients, de traiter les collaborateurs. Et ça fait toute la différence. Et une organisation qui se veut rentable, c'est une organisation qui va travailler aussi sur cette dimension. Moi, je crois que, comme l'a dit, je vois une question effectivement de Guanon sur l'impact positif et si bon, positif effectivement financier de la gestion des clients collaborateurs. Et bien, le premier impact, c'est tout simplement le niveau de performance, en fait. Une personne qui est engagée, elle est productive, donc elle crée de la valeur, elle nous fait gagner de l'argent. On a une réduction des coûts, en fait, une réduction des coûts, une réduction des frais de fonctionnement, des charges organisationnelles, qui est super importante. Il y a une chose aussi sur l'expérience utilisateur, par exemple pour le recrutement. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui disait quels étaient les besoins, les facteurs d'engagement, d'attraction des nouveaux salariés, des nouveaux collaborateurs. Eh bien, curieusement, on est sur des choses très soft, donc on est sur de l'empathie. Et dans cette étude, en fait, quand on considère qu'une organisation est empathique, donc se connecte à ses clients, se connecte à ses collaborateurs, ça ne veut pas dire être dans la sensiblerie, hein, ça veut dire être en connexion, être en relation, eh bien, le niveau d'attraction de l'organisation est 7 fois plus important. 7 fois plus important, ça implique que le temps de recrutement, les coûts de recrutement vont énormément s'alléger. Ça va être génialissime, parce qu'un recrutement, ça coûte cher. Ça veut dire aussi qu'on va attirer les meilleurs profils. On sait qu'à travers le monde, on est entre 20 et 40% de contrats de CDI, par exemple, qui sont rompus avant leur premier anniversaire. Ça coûte extrêmement cher. Donc, quand on a le bon profil qui se sent bien dans son organisation, eh bien, on a moins de chances d'avoir un top turnover qui grimpe et on va s'assurer, encore une fois, d'avoir de l'engagement, d'avoir de la performance, d'avoir aussi énormément de collaboration. Autre facteur d'attraction, eh bien, c'est les personnes, elles ont besoin de se sentir enrichies, elles ont besoin de se sentir en développement, en croissance, elles ont besoin d'apprendre. Et on s'est rendu compte, grâce à cette étude, que le niveau d'attraction de l'organisation est multiplié par 3, tout simplement. Donc, une meilleure expérience collaborateur, notamment au niveau de la formation, notamment au niveau du développement de la compétence, notamment au niveau de la projection aussi dans l'organisation et de la mobilisation, ça fait que les gens restent, ça fait que les gens aussi se donnent, les gens réfléchissent. Les gens aussi sont prêts à supporter l'investissement, donc en termes d'efforts, en termes d'intelligence, en termes de partage, de feedback. Voilà. Tu as répondu, c'est ça, hein, tu rebondis sur les discussions qui sont ouvertes, là, c'est super, c'est génial. On voit bien que tu parles de plus en plus, là, tu nous amènes vers la notion de business partner, dont on parle beaucoup pour la fonction RH, et donc effectivement, cette dimension marketing fait plonger complètement la mission RH dans cette relation à l'organisation, plus généralement au business, et elle devient un partenaire de ce business-là avec, tu parlais de recrutement, tu parlais de rétention et tous les coûts que ça suppose. Et donc, effectivement, déployer une approche marketing sur ces enjeux-là, c'est décider d'être un business partenaire pour l'organisation. À la fois en anticipation et aussi en mitigation et aussi en centre de profit. À partir du moment où on fait du marketing, on n'est plus un centre de coût, on est un centre de profit potentiel. Et ça, c'est extrêmement important à appréhender. Je ne sais pas, est-ce qu'on voit mieux l'écran, Soizic, là ? Complètement. D'accord. Donc là, j'ai enchaîné sur santé et qualité de vie au travail. Soizic, tu en as déjà parlé, mais c'est effectivement aussi un levier très important que le marketing RH cherche à développer. Moi, je voudrais un petit focus, mais vraiment quelques minutes là-dessus, Soizic, sur le manager. Le manager porte beaucoup de choses dans l'organisation. Moi, je lisais un petit document là-dessus que je trouve génial, enfin, en tout cas, un élément que je trouve super à vous partager, qui dit « Libérez vos managers ». Libérez vos managers, ça, c'est du marketing RH. Ça dit notamment…
d'enlever toutes les mentions sur les documents, les notes, les emails aux collaborateurs qui dit « informez-vous auprès de votre gestionnaire pour en savoir plus ». Informez-vous auprès de votre manager. Vous imaginez le poids du manager pour le manager. Et donc là aussi, il y a des articulations au sein de l'organisation qui doivent évoluer et qui contribuent justement à la qualité de vie au travail pour tous. Ça aussi, c'est porté par le marketing RH, Swazik ? Oui, complètement. Je pense qu'on doit se mettre dans la peau d'un utilisateur. Quand on est, j'aime beaucoup cette formule quand tu dis « informez-vous auprès de votre gestionnaire », c'est exactement ce qu'on a quand on appelle notre banque et qu'on n'a pas de réponse en fait. On nous dit « mais informez-vous auprès de votre gestionnaire ». Et vous savez tous, en fait, on sait tous à quel point ça peut être frustrant parce que c'est juste une façon de nous dire bah, « j'espère que vous allez oublier » ou « je sais très bien que vous n'allez pas faire cet effort ». Donc, ça crée au final un mismatch et une rupture, je pense, dans la communication. Faire du marketing, c'est un peu en lien avec la question de Georges, eh bien, c'est s'assurer d'identifier les besoins de ses collaborateurs, d'identifier quels sont leurs besoins en termes de pratique, quels sont leurs enjeux aussi, leurs challenges, leurs nouveaux challenges en termes d'apprentissage, en termes de notamment de techno-learning par exemple, et bien sûr d'y associer des réponses, des solutions en intégrant effectivement les nouvelles habitudes, les nouvelles façons de faire, et bien sûr en intégrant le client final parce que en fait, on peut rester focusé, on peut rester concentré sur notre entreprise, mais ça ne marche pas. Au final, l'expérience collaborateur, elle se nourrit de l'expérience client, de la relation client, parce que c'est ça qui va créer de la valeur et c'est ça qui va faire que, on aura un marketing puissant au niveau RH. On a tout intérêt à se former globalement sur le marketing parce qu'on peut en retirer plein de techniques, plein de solutions pour nourrir notre propre pratique de professionnel RH. Alors, je rebondis sur une question de Hervé. Comment doit-on appréhender la relation de travail avec un dirigeant autoritaire? Là aussi, on est complètement… Alors, c'est ça qui est génial, c'est qu'on se rend compte que les problèmes qu'on se pose tous, c'est du marketing. Peut-être qu'il faudra réexpliquer ce qu'est le marketing, mais c'est vraiment cette manière d'optimiser, là en l'occurrence, une relation pour arriver justement à s'épanouir ou à développer sa mission. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place? C'est ça le marketing. Qu'est-ce qu'on met en œuvre pour que justement, on arrive à développer cette relation qui pour nous est nécessaire. Donc je sais, peut-être qu'on pourrait y répondre un petit peu tout à l'heure. Swazik, tu veux en dire un mot? Je pense que moi, j'aime beaucoup cette formule de marketing RH parce qu'elle remet le RH au cœur en fait, de son action. Le but du marketeur, c'est de faire en sorte qu'on touche le client. Donc, d'identifier tous les canaux et surtout le mode de communication et les moments auxquels passer le bon message. Voilà. Et ça change tout. Je pense que notre dirigeant soit autoritaire ou qu'il soit au contraire très à l'écoute. En fait, un dirigeant, on doit décider d'en faire notre cible, le client, de le targeter et d'identifier quels sont ses leviers d'engagement, quels sont ses leviers de mobilisation, quelles sont les données, surtout le langage qu'il est apte à entendre. Et tout commence, en fait, on commence petit. Hein. Je crois que moi, c'est un des éléments aussi que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est qu'il s'agit de petit à petit construire en fait un modèle viable, un modèle pérenne, un modèle rentable, un modèle surtout qui engage. Et donc, on va commencer à sensibiliser son dirigeant sur des petites dimensions pour petit à petit faire en sorte que son niveau presque de culture RH augmente, presque de capacité à décider. Pour les dirigeants autoritaires, généralement, un des bons leviers, c'est l'argent, c'est la finance. Si on fait ça, on va gagner de l'argent. Si on fait ça, on économise de l'argent. Si au contraire, on ne réagit pas, on aura un retour, ce qu'on appelle sur le temps d'investissement. Donc là, c'est tous les coûts liés à l'absence de réaction, à l'absence d'engagement. On a le ROI, le retour sur investissement, et on a le RONI, qui est le retour sur non-investissement. Et en tant qu'RH, il faut pouvoir les calculer. C'est beaucoup plus facile de calculer d'ailleurs le RONI. Merci beaucoup. Swazik, tu approfondis magnifiquement, même si moi, tu me mets dans une situation compliquée avec mon temps, mais c'est super passionnant. Juste peut-être, je rajoute, Swazik a parlé de retour sur investissement et de finance avec ce dirigeant autoritaire, Hervé. Tu peux aussi tout simplement te renseigner s'il est fan du PSG, parce que là, dernièrement, le PSG a gagné contre le Bayern, et donc c'est le bon moment pour lui faire passer des messages. Il devrait être assez content. Mais je plaisante à moitié, parce que c'est ça la cible client. C'est finalement ton dirigeant est un persona,
Et donc, quels sont ces leviers, Sozic le disait tout à l'heure, de plaisir, de satisfaction, de motivation, évidemment. Et donc, voilà, ça s'appréhende de cette manière-là. Et là, on est en plein dans le marketing. Question de Emma, je continue puisque je regarde les messages. Sozic, pourrait-on utiliser les résultats de tests de personnalité pour faciliter la communication au sein de l'entreprise? Alors, je démarre la réponse, mais peut-être qu'on en parlera un peu tout à l'heure. Emma, oui, absolument. C'est même un des sujets de prédilection de Perfengo. On en parlera tout à l'heure avec la data et la data prédictive et la data d'évaluation. Effectivement, ça permet de cartographier le fonctionnement de certaines personnes, que ce soit des managers, justement, des N+1, mais aussi des N-1. Et pour mieux préparer son cadre de communication avec ces personnes-là. On parlait des leviers motivationnels. Lorsqu'on connaît les leviers motivationnels de quelqu'un, c'est comme dans le marketing, entre guillemets, retail, on sait où appuyer pour l'amener à mieux écouter, l'amener à mettre en place une nouvelle pratique. Donc, on est en plein dans le sujet. C'est exactement ça. Blanche, conseil au RH d'aujourd'hui d'acquérir des compétences en marketing. Oui, on va y venir. On a bien vu la question. On continue juste, on continue tout simplement. Donc, est-ce que, voilà. Donc, avant-dernier élément sur la partie marketing et nouvelles pratiques que le marketing RH dans cette nouvelle forme vient faire émerger, c'est la diversité et l'inclusion, super important. Beaucoup d'intentions, beaucoup de jolis mots, de jolies phrases autour de ces sujets extrêmement importants. Les formes de diversité, elles sont multiples et infinies en réalité, parce que chacun finalement a une spécificité. Évidemment, il y a des tendances qu'on peut définir. Moi, j'ai envie que tu nous parles, si tu veux bien, d'un niveau de diversité et d'inclusion que je trouve passionnant, c'est le générationnel. Pourquoi le générationnel? Parce que il y a des pratiques justement liées au digital, notamment, qui sont totalement différentes en l'espace de 10 ans entre quelqu'un qui a peut-être 40 ans et quelqu'un qui a 30 ans, entre quelqu'un qui a 30 ans et quelqu'un qui a 20 ans. Et donc, est-ce que ça fait partie d'une mission marketing RH de savoir appréhender ça et de savoir le valoriser? Complètement, complètement. Cette dimension liée à l'âge, en fait, elle est essentielle parce qu'on se retrouve en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en fait, sur des pyramides des âges où ça va créer des problèmes et ça crée déjà des problèmes en organisation. Donc, on travaille avec plusieurs générations. Et en fait, le but du jeu, c'est de nourrir, je pense, en tant que marketeur, c'est d'être capable de donner un message chacune de ces communautés, chacune de ces tranches d'âge, entre guillemets, et faire en sorte aussi de créer le sentiment collectif, cette cohésion. Il y a plein d'études qui ont été faites sur le genre, par exemple, et sur l'âge. Un groupe est plus intelligent quand il est constitué autant d'hommes que de femmes. Voilà, cette diversité liée au genre. Un groupe est plus intelligent aussi quand on a des gens plus expérimentés et des juniors. Le but du jeu, c'est de favoriser la transmission des pratiques, des savoirs, de sortir effectivement de notre réflexion verticale où il y a le sachant et il y a l'exécutant, par exemple. Et au final, un jeune peut très bien nous apprendre effectivement plein de choses sur sa capacité, notamment avec sa capacité digitale et sa capacité à être connecté aussi au monde. La personne plus âgée, elle peut être aussi très digitale orientée et en même temps, elle a aussi une expérience terrain, elle a aussi une expérience aussi humaine, relationnelle, dont il faut tirer parti. Et c'est que le marketing devient un super outil pour justement le professionnel RH qui doit s'assurer que, ben, au final, la culture organisationnelle évolue. Parce que c'est ça l'enjeu. Parce que la culture organisationnelle, elle doit s'enrichir en fait de toutes ces personnes, qu'importe leur âge. Elle doit s'assurer que tout le monde est concentré et tout le monde crée de la valeur. Ça va être un facteur d'efficacité. Trop souvent, on entend encore en entreprise, oui, mais en fait, il est jeune, il ne comprend pas. Il est âgé, donc il est complètement décalé. Alors que, pas du tout. Déjà, c'est un verbatim, c'est un discours en fait qu'il faut, à mon sens, abolir et au contraire, s'assurer de créer des temps de parole, des temps dédiés pour réfléchir ensemble sur des sujets, sur des problématiques d'optimisation, des problématiques d'innovation, des problématiques de changement. Et donc, ça demande de réfléchir autrement et ça demande d'amener les personnes à s'engager autrement.
Donc ça, c'est pour moi, c'est un des gros facteurs de progression. En Afrique, on est un continent super jeune, donc l'enjeu va se présenter, va se préciser encore avec le temps. Ce sont des sujets voilà, qu'on traite là de manière un petit peu, on va dire un peu rapide. Ce sont des sujets néanmoins ultra importants. Donc véritablement, voilà, tous ceux qui sont présents, et encore une fois, je vous remercie beaucoup de nous suivre. N'hésitez pas à venir vers nous sur ces sujets de diversité et d'inclusion. Swazik est très sensible, nous sommes très sensibles à cela. J'en profite pour vous dire que, et je rebondis un peu sur l'idée, pardon, sur le commentaire sur les tests de personnalité, un des sujets qui nous passionne, c'est justement d'objectiver les compétences et le fonctionnement d'un individu. Qu'il soit homme, qu'il soit femme, qu'il soit grand, petit, qu'il ait beaucoup d'expérience, pas beaucoup d'expérience, aujourd'hui, un sujet, et c'est véritablement d'arriver à comprendre comment quelqu'un fonctionne en termes de compétences transversales, et pour comprendre justement son potentiel, évidemment, et de pouvoir, et c'est surtout ça, engager avec cette personne une vraie discussion, une vraie conversation autour de ce qu'il veut faire, de pourquoi il veut le faire, et de ce qu'il est prêt à mettre en place, parce qu'attention, derrière, il y a évidemment du travail et des efforts à enclencher pour y arriver. Mais pour cela, il faut objectiver les choses au départ et essayer de se libérer de quelque chose qu'on a tous énormément. Ce sont des biais, des a priori. Et aujourd'hui, on va basculer sur la partie data de notre présentation, mais aujourd'hui, on est justement en mesure de se faire aider, non pas de remplacer une prise de décision, mais de se faire accompagner grâce à un certain nombre de solutions, d'outils, de technologies. Et donc, je rebondis là-dessus sur ce chapitre diversité et inclusion, parce que ça permet aussi de le regarder de manière plus intelligente, de manière plus efficace. Parce que mine de rien, on est souvent démunis, on est plein de bonnes intentions, mais lorsqu'on a, et je vous parle de mon expérience, lorsque j'ai quelqu'un de 25 ans ou de 30 ans même devant moi, je pense comprendre, mais je ne comprends pas. Et donc, ça veut dire que j'ai besoin d'aide, d'abord d'écoute, évidemment, moi-même une intention forte de m'améliorer de ce point de vue-là, mais aussi, il y a d'autres possibilités pour m'aider à mieux réfléchir. Voilà. Swazik, on termine ce chapitre avec évidemment une forme de synthèse qu'on appelle la marque employeur. Dans mon teaser, je le disais, la marque employeur qui est aujourd'hui une notion qui est beaucoup partagée, très vaste également. Moi, je voudrais juste te donner un angle peut-être pour que tu réagisses. On l'utilise beaucoup dans une dimension attraction, recrutement, attraction. Construire une marque employeur, c'est dans le titre, hein, c'est dans le mot, c'est de dire faire venir les meilleurs, montrer qu'on est une belle boîte, qu'on a des beaux process de recrutement, etc. Mais on l'appréhende encore peu comme un levier pour explorer l'expérience client. Et donc, je voudrais que tu me parles peut-être du passage de la proposition de valeur employée à la proposition de valeur marque. Je crois que la marque employeur, c'est ça, c'est comment justement on fait en sorte que des collaborateurs, des employés, retire le meilleur de leur expérience employée pour justement comme facteur de différenciation sur le marché pour les clients. Et je crois qu'une marque employeur, une stratégie de marque employeur aboutie, c'est ça. C'est pas uniquement d'être attractif pour les gens qui rentrent, c'est d'être extrêmement attractif pour les gens vers qui on va et en l'occurrence les clients. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est très juste. Moi, j'aime beaucoup cette notion de marque employeur. C'est vrai que ça fait très business et que souvent, les professionnels RH ont cette culture de « oui, en fait, on est très people, on est plus people que business ». Mais je pense qu'en fait, cette dimension business, elle est essentielle. Une organisation, elle est légitime, elle ne vit que grâce à ses clients et grâce à sa présence sur le marché et grâce à cette différenciation. Un des gros facteurs de différenciation, et là je parle des clients, des utilisateurs, des produits ou des services que l'on propose, eh bien, ils achètent de plus en plus parce qu'on a des marques responsables, on a des marques qui traitent bien leurs salariés. On le voit bien lorsque, à l'international, hein, on a des plans sociaux, on a des plans sociaux, donc on a des charrettes sociales avec des licenciements en masse ou ce genre de choses, et bien tout de suite, on a bien sûr le cours du marché parce que généralement on fait des plans sociaux parce qu'on a perdu de l'argent, mais on a également aussi un élément qui se joue, c'est que les clients achètent moins
Parce qu'on a tous, en fait, on est tous soit des employés, des entrepreneurs, mais en tout cas, quand on est actif, eh bien, ça nous fait un petit choc psychologique de voir qu'on a viré peut-être 500 personnes, ou 2000 personnes, ou 10 000 personnes, 30% de la masse salariale. C'est des décisions qui sont très difficiles à prendre, mais pour lesquelles, justement, il faut avoir une approche très objective, très objectivante, et donc très marketing. Parce que notre business, notre job, et le job de toutes les personnes avec lesquelles on travaille, elle dépend de notre marque, elle dépend de la qualité, de sa réputation, de sa relation client. Et c'est du client interne comme du client externe. Et bien sûr, une organisation qui se veut rentable, qui veut donc réduire ses coûts, qui veut augmenter sa profitabilité, eh bien c'est une organisation qui fera attention aussi à ses marques employeurs, parce que généralement, le premier client du service ou du produit, c'est l'employé et c'est la famille de l'employé. On a une capacité de réseau super importante. L'employé est le premier ambassadeur de la marque. C'est ça. Et du coup, on demande souvent à nos employés d'être axés clients. Et finalement, c'est un raccourci. Ils doivent d'abord être axés, entre guillemets, sur leur propre expérience et en retirer le meilleur, en tout cas définir ce qui fonctionne pour eux, pour pouvoir justement l'utiliser comme un élément de différenciation vers le client. Moi, ça m'interroge. Hein, on parle souvent dans nos coachings, dans nos conseils. On dit beaucoup de pas aimer son produit, mais d'aimer son client. Ça veut dire que c'est pas si facile que ça, et que effectivement, il faut certes ne pas aimer son produit, mais il faut aimer son expérience salariée. Et donc, c'est là où ensuite s'installe une vraie discussion marketing entre son manager ou la direction de la boîte, et de dire mais est-ce que finalement la prestation de service interne est suffisamment satisfaisante pour que la prestation de service externe fasse la différence et se vende correctement. Et là, il y a une tension marketing, en l'occurrence, interne et externe, c'est un grand sujet. Donc ça, c'est des sujets qu'on adore. Donc, venez nous poser plein de questions, on veut en parler avec vous. Merci à vous tous d'être présents, de nous suivre. Alors, je vous le dis tout de suite, on va exploser le chrono, ça y est, je ne peux plus faire autrement. J'espère que vous avez un extra 15 minutes à nous consacrer, parce qu'on va forcément aller jusqu'à midi, voire midi et quart, si on va aller au bout de cette présentation. Mais on est là. Si vous nous quittez parce que vous avez autre chose, restez en contact et on sera heureux de vous faire passer la présentation et de vous dire un petit peu comment on appréhende tous ces sujets. Soizic, je continue. On va basculer sur la data. Et on répondra aux questions qui arrivent dans un deuxième temps. Alors, on continue. Donc, il y a quelques questions qu'on se posera tout à l'heure, mais qui sont un petit peu, qui sont récurrentes. Hein. C'est évidemment, on vous présente tous ces points, on les développe légèrement. Évidemment, les questions que vous pouvez vous poser, parce que nous, on se les pose en permanence avec nos clients, c'est mon environnement n'est pas assez mature pour intégrer ces approches-là. Comment est-ce que moi, je mets en pratique ? Il y a une question sur justement des managers qui ne sont pas à l'écoute. Comment, on a parlé tout à l'heure, comment faire si la culture marketing est au niveau zéro dans ma boîte, on l'a vu tout à l'heure. Est-ce qu'un RH doit se former au marketing, mais n'importe qui doit se former à tout, à tout ce qui peut l'intéresser, à tout ce qui lui est utile. Et donc, comment me former? Évidemment, on est là pour ça. Donc voilà, c'est quelques questions que je suis sûr que vous vous posez. Et on y répondra aussi en one-to-one avec grand plaisir. Alors, on bascule sur la data, Soizic, on va essayer d'aller un petit peu plus vite avec les cinq pratiques à intégrer. Bon, là, encore une fois, hein, extraordinaire transformation à la fois technologique, à la fois des pratiques, à la fois des besoins. Et donc, voilà, techno, besoins, pratiques, tout ça crée quelque chose qui est parfois un petit peu submergent. On a un peu du mal à s'y retrouver. Ici, il y a des phases à respecter et la première, c'est l'alignement entre la data RH et les enjeux stratégiques de la boîte plus globalement. Pardon. Jusqu'à maintenant, Soizic, la data permettait de confirmer ou de valider des tendances. De plus en plus, on arrive à des niveaux de techno justement qui amènent à la prédiction, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas à l'aide à la prise de décision. Et donc là, si c'est le cas, les RH ont plutôt intérêt à être connectés à la stratégie globale de la boîte pour pouvoir justement optimiser l'usage de ces data. Qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je pense que c'est un vrai sujet. C'est vrai qu'avant de parler de data, je parlerais plutôt de système. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tout ce qui est en lien avec la digitalisation, la numérisation, en fait, ça crée un vrai stress chez les professionnels RH. Pourquoi? Parce que leurs organisations, et c'est un peu en lien avec la question que tu as abordée tout à l'heure, beaucoup d'organisations, en fait, ne sont pas matures. Je crois qu'à travers le monde, on a 20% d'organisations qui sont véritablement considérées comme très matures sur la dimension techno. On doit descendre à peu près à 30% d'organisations qui s'en sortent à peu près avec les outils digitaux. Moi, j'ai envie de vous dire que déjà, il y a une étude qui a été faite il y a quelques temps et qui disait que les organisations les plus matures sur la partie numérique et sur la partie digitale sont les plus rentables, sont les plus performantes. Et c'est évident parce que tout de suite, le digital, eh bien, nous permet de mieux travailler, nous permet de gagner du temps, nous permet de recueillir plus de data. Après, j'ai envie de vous dire que, en fait, il ne s'agit pas de penser que ça, c'est ce qu'on doit être maintenant. Pour arriver à une maturité digitale, à une maturité numérique, en fait, il y a des étapes, il y a des priorités à mettre en place. Et parce que sinon, on peut avoir beaucoup de data et on a l'ère du big data où on a des flots de data à traiter, mais au final, on ne peut pas les absorber. Si on n'a pas les bons outils, les outils de pilotage, un système d'information adapté, ce sera compliqué. Moi, je conseille souvent à mes clients, en fait, d'y aller piano piano. Piano piano, c'est-à-dire que déjà, augmenter sa culture digitale, sa culture numérique, ne serait-ce qu'avoir un site internet, passer la bonne information au bon moment, ne serait-ce que tracer le processus RH ou l'expérience collaborateur avec quelques indicateurs, et pas 100 000 indicateurs, mais quelques indicateurs qui sont clés et qui sont adaptés en fait à l'âge et à la maturité de l'organisation, ça nous permet déjà de très très bien travailler. Et ça demande pour les RH de Ben, tout simplement de dire, ben, on va partir de notre diagnostic pour petit à petit intégrer un indicateur, deux indicateurs, savoir comment le calculer, savoir quel est l'impact de cet indicateur, savoir comment le lire, faire des comparaisons. Et ça, c'est génial. C'est associé aussi effectivement aux objectifs de la boîte. Très souvent, les politiques RH, les dirigeants d'entreprise, en fait, disent oui, on va faire une politique RH, on va recruter tant de personnes, on va essayer de fidéliser tant de personnes, on va mettre le budget de formation, ça va être celui-ci. Je pense que ça capote très souvent et c'est ce qui fait que beaucoup de professionnels RH sont en stress lorsqu'ils doivent négocier leur budget, lorsqu'ils doivent démontrer en fait comment ils contribuent au système. Parce que souvent, en fait, ils sont noyés sous trop d'informations. Alors qu'il vaut mieux choisir la bonne information, savoir comment traiter cette data, la lire, la croiser, savoir quel est l'impact financier, l'impact en termes de performance, pour avoir un discours ensuite, on va dire, de sensibilisation, un discours aussi de croissance avec le dirigeant, avec le manager. On est sur du plaidoyer, en fait, on est sur du plaidoyer en ce moment. Mais c'est vrai que les enjeux stratégiques, ils doivent être connus du spectre RH également, pas juste du spectre business, du spectre financier, du spectre commercial. La dimension humaine et people, elle est essentielle parce que ça fait gagner beaucoup de temps, ça évite les déperditions de temps, d'énergie, d'intelligence. Oh, absolument, merci Soizic. Moi, je rajoute juste que par rapport à ce que tu as dit, j'ai bien aimé l'idée de commencer par le commencement, avec en fonction évidemment du niveau de maturité et de complexité des processus, ou en tout cas de l'existence de processus. C'est un indicateur clé, deux indicateurs clés. Et là, on fait le lien avec le marketing d'avant, puisque c'est évidemment avec quelque chose de mesurable. Comme un indicateur, que vous allez pouvoir convaincre, vous allez pouvoir embarquer quelqu'un sur une décision qui vous sera favorable, que vous voudrez mettre en place. Et donc, effectivement, c'est en ça que ce premier point, data RH et enjeux stratégiques, il est super important. Enjeux stratégiques, ça ne veut pas dire tous les enjeux et tous les enjeux les plus importants, mais ça veut dire être connecté, répondre de manière cohérente et pertinente à des enjeux que la société vit, que la société a décidé de déployer. Et donc voilà, ça vous permet de réfléchir de manière plus concentrée. Et ça, c'est la première chose importante. Ne partons pas dans. Parce que la data, et c'est normal, hein, l'offre de solutions techno et de facilitation de prise de décision, chacun joue sa partition. Et donc, on peut être très vite noyé sous beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres. N'oubliez pas cette phase importante qui repose sur évidemment de la clarté, du dialogue et de l'échange avec le management global de l'organisation.
On continue. Deuxième point, Soizic, très important, rapprocher les collaborateurs de la démarche data. Qu'est-ce que tu en penses? On voit des directions DSI se renforcer du mot digital, du mot transformation digitale. En général, les DSI étaient très silotés dans les organisations. Quelle est l'approche que tu préconises? Évidemment, il y a de la transparence de base à avoir. Où sont stockées les données? Qui a le droit d'y accéder? Comment? Est-ce qu'il y a des formations qui sont envisagées pour optimiser l'accès justement et l'utilisation collaborative des données? Il y a tout un tas de sujets qui peuvent être appréhendés. Mais quel est, d'après toi, en tout cas, l'état des lieux aujourd'hui et ce à quoi il faut faire attention sur justement cette idée de connecter les collaborateurs qui sont, je le rappelle, les pourvoyeurs de la donnée à son traitement? Exactement, c'est tout à fait ça. Les employés, les collaborateurs, c'est eux en fait qui sont à la source de la donnée, c'est eux qui peuvent rentrer la donnée, c'est eux qui vont partager la donnée, c'est eux qui peuvent nous donner aussi leur feedback par rapport à une donnée brute. Donc c'est pour avoir une donnée qualitative, pour avoir une donnée qui va nous permettre de prendre des bonnes décisions, eh bien à un moment, on doit travailler ensemble. Parce que si c'est juste siloté, comme tu dis, si c'est juste effectivement une lecture, on va dire, très binaire de la donnée, ça ne peut pas marcher. Pourquoi rapprocher les collaborateurs aussi de la data? Parce qu'au final, plus les collaborateurs aussi sont sensibles à ces sujets de digitalisation, de numérisation, plus c'est facile en fait d'évoluer, plus c'est facile de maturer, plus c'est facile de se transformer. Un collaborateur qui est formé, un collaborateur qui sait utiliser les solutions, c'est un collaborateur en fait qui va pas bloquer le système. Et ça, pour moi, le principal levier de réussite dans cette utilisation en fait efficace et intelligente de la data et donc des solutions qui nous permettent de miner, qui nous permettent de capter cette data, eh bien c'est d'être en change management. Et ce management du changement, en fait, il est constant. Ça, c'est le job des RH, à mon sens, de faire en sorte que le change management puisse s'implémenter, qu'on puisse accompagner les individus, les équipes, dans l'acceptation en fait de cette évolution, de cette progression de nos habitudes professionnelles, de nos modes de travail, de nos outils. Et ça va, entre guillemets, ça va stabiliser le système, ça va stabiliser les programmes et ça va créer de la valeur. Mais encore une fois, plus un collaborateur est sensible et surtout à une culture numérique, une culture digitale, une pratique numérique et digitale importante, plus l'organisation va croître et plus la data va être qualitative. Moi, j'ai un bon exemple avec la solution, par exemple, Office 365. On a plein d'études qui ont été faites et on sait qu'on a à peu près 30% des licences qui sont utilisées véritablement. Les 70% des licences sont mal utilisées parce qu'on a des utilisateurs qui n'existent pas ou qui n'utilisent jamais leur solution. Ça coûte très cher, en fait. Ça coûte très cher. Alors qu'on sait que si on utilise par exemple un Office 365 et les différentes solutions qui sont intégrées dans le package, eh bien on réduit nos coûts de 30% en moyenne. Donc ça va de 15 à 45% en fonction des organisations. Favoriser la communication entre les collaborateurs en utilisant non pas juste un intranet, parce que moi j'ai des clients qui m'ont dit « Oui, mais on a un intranet, on a 5% d'utilisation. » Et encore. Ben oui, en fait, ça veut dire que l'intranet est plus adapté et qu'il faut revoir. Il y a des solutions maintenant digitales qui sont très peu coûteuses, comme Slack, qui nous permettent en fait de travailler en mode projet, de passer la bonne information à ce moment. Et donc, on parlera de la protection de la donnée tout à l'heure. Ça suppose aussi des sujets de respect de la vie privée des salariés et de la donnée. Juste un point peut-être, Soizic, un peu pratique. On parle de transformation, on parle de pratique. Donc, il faut se former. Il y a des tests aujourd'hui très, très ludiques, très chouettes sur justement évaluer son niveau de capacité à appréhender les solutions digitales, la culture digitale, la pratique digitale. Je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter il faut en parler dans vos organisations. On part du principe que tout le monde est digitalisé parce que tout le monde utilise WhatsApp. C'est pas suffisant. Donc, n'hésitez pas à en parler. Devenez des ambassadeurs de ça. Dites-nous un petit peu, vous, dans vos organisations, commentez avec nous sur justement cette place du digital. Est-ce que c'est une place qui est un petit peu comme ça,
très stratégique, qui est en haut, et puis que rien ne redescend, parce que tout le monde part du principe que tout le monde sait faire un email, tout le monde sait envoyer un message WhatsApp, et en réalité, ça suppose d'autres choses dans la pratique pour être efficace. Je vais juste faire un aparté sur le WhatsApp. WhatsApp, à moins que vous ayez une solution, un WhatsApp business, donc qui soit vraiment sécurisé, ce n'est pas l'endroit pour passer des données. Les données organisationnelles, il y a trop de contrats, il y a trop d'informations des clients, d'informations des salariés, d'informations de l'organisation qui passent sur WhatsApp. Ça, c'est des pratiques sécuritaires en fait à intégrer fort. Voilà, donc rapprocher les collaborateurs de la démarche data, c'est aussi ça. C'est pas, on est dans le concret. Donc vous êtes RH, vous travaillez dans un service RH, vous voulez influencer positivement votre organisation. Dites de quoi vous avez besoin, évaluez de quoi ont besoin vos collaborateurs. Rien n'est donné, rien n'est évident. Et là, le piège du digital, c'est que beaucoup de choses nous paraissent évidentes et elles ne le sont pas. Justement, à ce titre, la data RH n'a pas toujours raison. J'adore ce point. On vous rappelle que la data est de la data. Dans la data, il n'y a pas de cœur qui bat. Il n'y a pas de poumon qui inspire et expire de l'air. Il n'y a pas de ce magnifique outil qu'on a tous dans la tête. Il n'y a pas d'émotion. Il y a en revanche quelque chose de passionnant, c'est l'objectivation, les modèles prédictifs, la modélisation. Et ça nous permet d'accélérer beaucoup et de développer des dimensions de notre intelligence qu'on n'a pas forcément au départ. Et donc, ça, c'est extraordinaire. Pour autant, la data n'a pas toujours raison. Et que ça, nous, on est très bien placés dans notre position de fournisseur de services et de solutions psychométriques et d'analyse comportementale. Chaque donnée est une hypothèse. Et cette hypothèse, cette donnée, elle doit être validée ou invalidée avec les parties prenantes, avec les personnes concernées. Et donc, nous attachons autant d'importance à construire un modèle, à le déployer, à recueillir la donnée, que à débriefer la donnée, que à analyser la donnée et à valider ou invalider en intelligence collective cette donnée. Ça, c'est extrêmement important de notre point de vue lorsqu'on parle de données RH, de données people, de données capital humain. Voilà, Swazik, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Mais vraiment bref, parce que je voudrais qu'on avance, si tu veux bien. Non, parce que c'est très, voilà, ce que tu dis est très juste. À un moment, il faut faire attention. Les données RH, moi, je pense que la data RH, en plus, il faut la faire varier parce que maintenant, on utilise beaucoup de data, ce qu'on appelle workforce. Et cette data workforce, elle est, je trouve, beaucoup plus stimulante et challengeante parce qu'en fait, on intègre des indicateurs commerciaux, on intègre des indicateurs financiers, des indicateurs de performance hors du fonctionnement, hors des process RH. Je crois que les professionnels RH doivent aller voir leurs collègues des autres fonctions pour nourrir leur vision et bien sûr leur action. Je rebondis sur une discussion. Guanon, Guanom, merci de votre commentaire. Transformation digitale, on en parle souvent, transformation des comportements, de la vision, des pensées. On est en plein dedans. C'est pour ça que nous, on est passionnés et qu'on s'est spécialisés dans justement cette dimension psychométrique. On peut appréhender effectivement la capacité, la faculté d'un individu au changement, à la transformation. On peut aller plus précisément justement sur sa capacité à l'apprentissage techno. Donc il y a aujourd'hui effectivement on a des dispositions de personnalité cognitive qui permettent de réfléchir comment accompagner quelqu'un dans une transformation digitale. Voilà, Neri, merci. Et donc c'est une vraie question qu'il faut se poser. Il y a des outils qui permettent d'élaborer des cadres d'accompagnement à cela. Donc c'est quelque chose, Swazik, peut-être que tu veux en dire un mot. Oui, nous, SmartMetrics, on utilise, en fait, on accompagne beaucoup d'organisations sur leur transformation digitale, leur transformation numérique, non pas sur le volet technique, mais sur le volet, justement, change. Une des choses avec l'expérience qui se révèle, c'est qu'au final, avant de vouloir implémenter une solution, on doit commencer par la partie people, la partie change, accompagner, sensibiliser, communiquer, échanger avec les personnes. Parce qu'en fait, c'est souvent ce qui bloque dans le processus de transformation. Ce n'est pas juste une question d'infrastructure IT ou de réseau, etc., etc. C'est généralement la dimension people qui fait échouer 80% des projets de transformation numérique.
Donc, nous, on a développé des pratiques et des techniques en fait très adaptées à notre environnement africain. Donc, ça commence effectivement par les comportements, ça commence par les croyances, donc la vision, ça commence aussi par effectivement la visibilité. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance ensemble? Donc, la clarté du message, la clarté aussi de l'action collective, la clarté des stratégies. Et ça nous fait passer des steps. Après, on y va en douceur. Des fois, on va aller trop, trop vite, encore une fois. Et il vaut mieux des petits changements au début pour habituer les personnes à un plus grand changement par la suite. Mais le facteur people est tellement, tellement, tellement clé que ben voilà, c'est une évidence de commencer par le people avant d'aller sur l'IT ou la tech. En utilisant les leviers marketing, parce qu'on sait très bien qu'il y a des résistances dans les organisations, qu'elles perçoivent cela comme des coûts, et pour autant, ça va devenir pour elles des coûts énormes à supporter, comme le disait Swazik tout à l'heure, si l'intégration et la mise en pratique ne se fait pas. Donc, c'est là où le marketing aussi, RH, tient toute sa place. Savoir convaincre, savoir expliquer et savoir trouver les bons canaux et les bons moments pour expliquer justement les bénéfices de cette démarche de transformation people associée à la transformation technique et digitale. Donc, vous voyez, les sujets se croisent et c'est top. Alors, deux derniers points, le data et le respect de la vie privée, soit dit, et j'enchaîne aussi avec allier data et compétences DRH. Data et respect de la vie privée, je pense que on le met parce que c'est absolument essentiel. Pour autant, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, enfin, grand-chose, pardon, il y a beaucoup de choses à dire, mais à explorer dans ce format-là, c'est difficile. Il y a une législation qui se consolide et qui se précise en Occident, en Europe, notamment avec la RGPD. Moi, le message que j'ai envie de faire passer, Swazik, c'est il n'y a pas de deux poids, deux mesures. On doit être tous extrêmement vigilants. On utilise des solutions, nous, qui sont ISO, qui sont certifiées, qui sont justement… Et on a une obligation de respecter les RGPD. Et nous, il nous est arrivé, Swazik, de dire à des clients non, parce qu'eux-mêmes voulaient bypasser un certain nombre de principes de confidentialité de la donnée et voulaient avoir accès à de la donnée personnelle en court-circuitant un certain processus. Donc là, il y a quelque chose de la responsabilité de chacun. À partir du moment où effectivement il veut intégrer des processus de collecte de données personnelles et collectives, parce que c'est aussi ça qui pose le problème dans les organisations, on est à la fois sur la donnée individuelle et collective, mais il ne faut pas mettre tout dans le même sac. Donc là, il y a quelque chose de vraiment important. On pourra aussi vous en parler plus spécifiquement si vous le souhaitez, mais en tout cas, il y a une posture éthique de principe très forte à avoir. Sachant que c'est facile entre guillemets, de s'oublier sur ce sujet-là. Donc voilà, moi, c'est le point que je voulais partager. Vas-y. Oui. La data, en fait, la data, à partir du moment où elle concerne le people, la personne, elle appartient à la personne. Voilà. La personne peut y avoir accès à n'importe quel moment. La personne peut refuser que d'autres personnes puissent y avoir accès. Et donc, ça demande de demander constamment des autorisations, demander que les personnes, effectivement, acceptent. Hein. On ne va pas maintenant sur un site Internet sans que le site Internet nous fasse passer ce. Nous envoie ce pop-up en nous disant est-ce que vous acceptez que vos données soient partagées, pas partagées? Et ça nous demande d'être très précis. C'est exactement la même chose en interne pour les organisations, les autorisations des collaborateurs, s'assurer que cette data, elle soit effectivement sécurisée, que les canaux, les serveurs aient le bon niveau justement de maturité et de sécurité encore une fois, et s'assurer parce que cette data, en fait, elle a énormément de valeur. Elle a énormément de valeur. Et je pense que c'est la moindre des choses que de respecter son collègue. Il y a aussi, je pense, une chose importante, et c'est en lien avec les compétences RH, c'est que, en fait, il y a une dimension de plus en plus légale. Il y a une réflexion à avoir sur l'éthique, il y a une réflexion à avoir sur la dimension juridique. Et très souvent, effectivement, on est dans une forme de day-to-day, de quotidien,
les pratiques ne sont pas les bonnes et on doit faire attention. C'est vrai qu'aux États-Unis, en Amérique du Nord, on se dit effectivement, les gens peuvent porter plainte pour beaucoup de choses. On se dit qu'en Afrique, on est un peu protégé. Eh bien, pas du tout. On n'est pas du tout protégé parce qu'au final, on voit les législations et le cadre légal qui est en train de changer en Afrique. Juste à voir, on ne peut pas utiliser les données, par exemple, de quelqu'un sur Facebook comme ça. On se retrouve au tribunal. C'est pareil en organisation. On doit faire très attention. Et je reviens sur WhatsApp. Sur WhatsApp, c'est vrai que c'est mon dada du moment parce qu'en fait, j'ai trop de clients qui partagent trop d'informations sur WhatsApp. Il y a un risque pour l'organisation. Il y a un risque que ces datas soient utilisées à mauvais escient. Il y a un risque que les datas personnelles soient utilisées à mauvais escient. On le voit, hein, il y a plein de fractures sécuritaires, effectivement. Donc, attention. Ne laissez rien passer. C'est un sujet qui peut paraître un petit peu technique. Pour autant, donc dans vos unités capital humain, dans vos départements RH, c'est un sujet ultra ultra important et donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne ce sujet à bras le corps, ne rien laisser passer. Donc, voilà. Il faut que les RH s'approchent des fournisseurs, notamment des solutions techno, pour savoir quel est le cadre, notamment pour la partie people. Voilà. Où est stockée la donnée, pendant combien de temps elle est stockée, comment on a accès à la donnée, ou combien de temps cette donnée est supprimée. Donc, en fait, il y a tout un tas de questions assez simples à se poser. Et vous pouvez facilement trouver des guides d'accompagnement à cela. Mais posez-vous ces questions-là, super important. Dernier point sur cette partie data. On y va, on continue. Avant de basculer sur le dernier axe sur le remote passionnant, merci à tout le monde d'être là, c'est génial. C'est le moment de poser vos questions. On arrive dans la dernière ligne droite. Donc réagissez. Moi, je voudrais revenir pour terminer sur data, sur le fait que on a parlé de data, notamment, on est d'accord que ça peut permettre de cartographier les compétences pour optimiser la formation. Ça, c'est quelque chose d'intéressant ou de déceler les tendances de mobilité vers des nouveaux secteurs, des nouveaux métiers. Donc, on est vraiment aujourd'hui outillé pour mieux réfléchir plus rapidement. Pour autant, la data, elle ne va pas régler vos problèmes d'absentéisme, par exemple. Vous voyez, et ça me renvoie un petit peu à la question au commentaire de Blanche tout à l'heure, qui disait, est-ce qu'un RH doit acquérir des compétences en marketing? En fait, la question, c'est surtout d'acquérir ce qui est bon pour lui pour prendre de meilleures décisions. Mais il restera de toute façon… Pardon, Soizic ? Prendre de meilleures décisions et passer à l'action. Et donc ça repose effectivement sur des compétences marketing, mais ça repose sur des compétences technologiques, ça repose sur des compétences financières, ça repose sur des compétences en ressources humaines. Ça repose sur des compétences, une compréhension sectorielle aussi lorsqu'on est fournisseur de services pour différents clients. Si on veut être efficace dans son marketing RH, il faut comprendre le secteur d'activité de ses clients. Donc en réalité, on est plutôt dans une logique d'apprentissage global et ensuite de prioriser ce qui est important dans sa mission, et comme ça, couche par couche, on étoffe sa capacité. C'est comme ça que aussi on progresse dans l'entreprise. Est-ce que tu veux dire un mot, mais extrêmement rapide, Soizic, là-dessus, ou on est bon? Bon, vraiment, c'est clair. Génial. Allez, dernier point qui nous tient tellement à cœur, puisqu'on est en train de le vivre ensemble, c'est les mêmes questions qu'on s'est posées tout à l'heure. C'est le remote. Regardez, on est en train de vivre depuis une petite heure, une expérience de remote. Aujourd'hui, on le fait sans plus s'en rendre compte pratiquement. On est entré en relation avec vous tous. Merci d'être là de manière extrêmement naturelle, avec beaucoup d'envie de partage, beaucoup d'envie de relationnement. Imaginez ça il y a 3-4 ans. Très honnêtement, moi personnellement, j'étais quelqu'un qui n'utilisait pas tant que ça Zoom ou Google Meet. Hormis, c'était des exceptions. Et donc, qu'est-ce que j'ai dû développer? C'est ça qu'on veut vous partager pour terminer ce premier webinaire. Qu'est-ce qu'on doit mobiliser? Donc, qu'est-ce que les RH aussi doivent appréhender pour leur stratégie de travail à distance, de remote work ou de télétravail, pour que justement chacun d'entre nous devenions performants et prenions du plaisir, parce que pour être performant, il faut prendre du plaisir à animer une réunion à distance, à faire un feedback managérial à un collaborateur,
tout simplement à mener une séance de travail productive avec, avec un collègue. Donc, qu'est-ce qu'on doit appréhender chacun d'entre nous pour que ça, ça se passe naturellement? Et je crois qu'on n'est pas tous égaux face à cela. C'est le principe des compétences comportementales, des compétences transversales. On en a, en fonction de nos expériences et de notre niveau de maturité, qui sont plus ou moins exprimées, qu'on a musclées au fil de nos années d'expérience. Et donc, l'idée, là, c'est de terminer en vous disant que Perfengo est en mesure de vous aider justement à identifier ces points importants. Alors, regardez, là, on a le portrait du télétravailleur performant. Est-ce que, Soizic, tu veux le commenter, ce profil, ce portrait? Le commenter, je trouve que c'est super important. En fait, comme tu l'as dit, on est en remote, mais on a des organisations qui sont passées en remote, on a des organisations qui sont physiques, on a des exigences en termes de santé, de sécurité au travail, de respect des mesures barrières, etc., etc., qui fait qu'effectivement, le remote est devenu l'année dernière, en tout cas, une norme. Moi, j'ai d'abord envie de dire qu'en 2021, curieusement, notamment en Côte d'Ivoire, les mesures barrières ont sauté un peu et que beaucoup de gens sont retournés au travail et ont continué à travailler comme. Et c'est assez curieux parce que généralement, ces organisations, en fait, j'ai beaucoup d'organisations, beaucoup de clients qui ont fait de meilleurs résultats, meilleures performances, qui étaient beaucoup plus productifs en remote plutôt que d'aller au travail, plutôt que d'aller au bureau. Et c'est super important de capitaliser dessus parce que même en Afrique, en fait, et je le vois dans différents pays d'Afrique avec nos clients, on a des professionnels qui ont pris la main tout de suite. Le professionnel qui travaille à distance, effectivement, il a tout intérêt à communiquer. Et à communiquer, à dire où est-ce qu'il en est, à dire ce qui le coûte, ce qui le pèse. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout le monde n'est pas fait pour le télétravail. Il y a des gens que ça angoisse, tout simplement, de ne pas avoir de relation, de ne pas croiser son collègue, de ne pas parler à quelqu'un d'autre. Il y a des gens aussi qui n'ont pas des bonnes conditions pour travailler depuis la maison parce qu'il n'y a pas de bureau adapté, il n'y a pas l'espace. Tu as les enfants, tu as la vie, en fait. Tu as un autre rythme. Il y a une chose aussi que je vois, c'est que normalement, quand on travaille en remote, on est censé travailler moins. Eh bien, il y a plein d'organisations où les professionnels RH doivent être super conscients de ça, où au final, là, le compteur est explosé. Parce qu'à partir du moment où tu peux joindre quelqu'un à n'importe quelle heure, parce qu'en fait, il est connecté, eh bien, il y a des réunions qui se calent à 20h, 21h, n'importe quand le week-end, il y a des messages WhatsApp, des messages, des mails qui arrivent à n'importe quelle heure. Je suis coupable. C'est tellement important, en fait, en tant que professionnel RH, de faire des évaluations régulières et surtout d'écouter ses salariés, d'écouter ses collaborateurs. Et c'est aussi aux collaborateurs, et c'est d'être responsable et de dire, OK, là, ça commence à capoter avec mon manager, ça commence à être positif. Et donc, trouvons des solutions. Parce que plus ça dure, plus il y a du stress et donc moins il y a de performance. Et surtout, moins l'envie de travailler s'exprime, surtout quand on est loin. Yes. Il y a une chose qui est importante, c'est qu'on doit se rendre compte aussi quand on passe en remote qu'on ne peut plus travailler de la même façon. Les processus changent, les procédures changent, la circulation d'informations change. On a un autre temps, en fait, un autre rythme qui s'installe. Pour le télétravailleur, c'est super important effectivement d'en avoir conscience, d'identifier comment il se sent justement, où sont ses points forts, ses points de vigilance sur cette question. Et bien sûr, d'être transparent avec le professionnel RH, d'être transparent avec le manager. Et c'est d'autant plus important que le manager fasse l'effort de demander au télétravailleur, qu'est-ce qu'il arrive à mettre en place, qu'est-ce qu'il arrive à faire, pour à chaque fois optimiser et s'améliorer. Les bonnes personnes dans l'organisation. Moi, j'aime beaucoup le télétravail parce qu'on n'est plus obligé de parler à tout le monde. Voilà, on envoie des mails ciblés, on communique de façon précise, on envoie la bonne information au bon moment. C'est ce que permet de faire le remote. Et beaucoup de travailleurs, de télétravailleurs, sont un peu en stress parce qu'il faut à un moment que le professionnel RH et le manager les accompagnent pour redéfinir quel est le cadre de fonctionnement, donc à qui on échange, à qui on envoie telle information, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour progresser ensemble, pour performer ensemble. Et ça se mesure, c'est ça qui est top. Pareil pour les limites,
et l'autonomie. Certaines personnes ont besoin de beaucoup d'autonomie, d'autres ont besoin de moins d'autonomie, ont besoin d'être accompagnées, d'être un peu plus suivies. Et ça, tout de suite, il faut l'identifier pour le télétravailleur, parce qu'il va pouvoir dire à son manager, « Moi, j'ai besoin qu'on se fasse des micro-meetings, par exemple, des petits points un peu tous les jours, 15 minutes, 10 minutes par jour. » Ou au contraire, on peut se parler deux fois dans la semaine. Le principal, c'est que le job soit fait dans les bonnes conditions et que le télétravailleur puisse, puisse trouver ses conditions et ses facteurs de performance, ses leviers de performance. Après, encore une fois, quand on est au télétravail, on dit un peu loin des yeux, loin du cœur, c'est super important de garder des liens et des ancres, on va dire, sociales, psychologiques, des ancres aussi émotionnelles, de se fêter des anniversaires. De voir ce qui est important pour les uns, pour les autres, en tout cas de créer de la relation, une relation différente. C'est une relation auquel on s'habitue au fur et à mesure parce qu'on est de plus en plus connectés. Pour autant, certaines personnes sont très à l'aise, d'autres personnes vont au contraire se renfermer un peu, se mettre à distance et vont se couper du groupe. Et donc, les personnes, les télétravailleurs doivent en avoir conscience pour sortir de leur zone de confort ou de leurs habitudes, et le manager et le professionnel RH également pour mettre en place en fait les bons processus et les moments, les canaux pour faire en sorte que personne ne s'isole, parce que ce qui compte, c'est la performance individuelle et la performance collective. Et ça demande bien sûr l'intelligence des uns et des autres. Posez-vous. Enfin, pardon, Soisic, vas-y. Non, la sphère privée et publique, pro et perso, c'est ça? Oui, exactement. Ça, c'est un des gros enjeux. Et c'est pour ça qu'il est important de respecter le temps. Voilà, on n'envoie pas de message le week-end, on n'envoie pas de message à minuit en s'attendant. En attendant une réponse et en envoyant un petit message, tu m'as pas, t'as vu le message ? Non, là, c'est des pratiques, plutôt des pratiques digitales. Je pense que c'est plus du bon sens et de la forme de politesse en organisation qu'on doit, et de règles et de valeurs qu'on doit redévelopper ensemble, qu'on doit recréer ensemble. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas d'évidence, notamment sur cette partie digitale. Et pour le télétravailleur, c'est important d'en avoir conscience, donc de s'évaluer, de s'assesser. Pareil pour le manager qui doit s'évaluer, qui doit s'assurer qu'il sache exactement comment les uns et les autres fonctionnent, quels sont leurs besoins psychologiques, leurs besoins en termes d'outils, de pratiques, de management. Et bien sûr, s'assurer que tout le monde passe à l'action. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une très, très bonne nouvelle. Je vous la partage. Toutes ces questions, donc vous pouvez vous les poser. Est-ce que je gère bien la frontière perso-pro ? Est-ce que je repère les signaux faibles ? Est-ce que j'ai conscience de mon niveau d'autonomie et de mes limites ? Est-ce que j'ai une belle capacité à identifier les personnes dont j'ai besoin et qui ont besoin de moi dans l'organisation ? Est-ce que j'ai une capacité à me centrer sur l'existant, à être dans le présent, les process, les règles ? Et finalement, est-ce que je verbalise, est-ce que je raconte mon expérience en termes de réalisation, de difficultés, pour justement susciter de l'attention de mon management notamment. Ça, ce sont des points, évidemment, c'est une opportunité finalement le remote, parce que ce sont des points, si vous les appliquez en présentiel, c'est ultra pertinent et ça va être extraordinaire. Pour autant, c'est des points essentiels, encore plus essentiels en télétravail. Est-ce que vous vous posez ces questions-là ? Posez-les-vous. Et la bonne surprise, c'est que nous avons Perfengo, un assessment qui va vous accompagner pour justement vous profiler, cartographier où est-ce que vous en êtes par rapport à ces points-là. Et donc, je vous montre rapidement. Mieux se connaître, c'est ce qu'on vous propose pour mieux gérer les phases de télétravail. En réalité, notre proposition de valeur, c'est de mieux se connaître en tant que manager, par exemple, de mieux se connaître en tant que commercial, de mieux se connaître en tant que collaborateur simplement. Donc, on a toute une gamme de services, mais on en a un qui s'appelle le Smart Working et qui va vous permettre, à travers un questionnaire en ligne, ensuite, d'identifier justement vos points, vous voyez, les leviers de motivation, par exemple, autour de l'autonomie, on a parlé, autour de la capacité à articuler et à nourrir des relations, votre capacité organisationnelle, et tout ça dans le prisme, dans la perspective, justement, d'être performant en télétravail. Une autre dimension que ce smart working permet d'explorer, ce sont vos ressources personnelles. Gestion des imprévus, stabilité émotionnelle, gestion de la distance sociale, pragmatisme, régulation des efforts. Donc, vous voyez que ça vient vous donner des munitions, des billes, des informations, de la data, on y retourne, pour justement mieux appréhender finalement vos zones de confort et vos zones qui demandent de la progression sur cette
cet environnement de télétravail ou de travail à distance. Et puis finalement, notre smart working, il va vous donner tout simplement un petit espace conseil associé avec notre conseil à nous ou nos préconisations pour justement vous investir sur les éléments qui demandent plus d'efforts ou de la progression. Voilà, nous, on est passionnés de cette approche-là, mieux se connaître pour mieux fonctionner dans son environnement. Tout ce que l'on fait a une dimension systémique. Hein. On n'isole pas l'individu de son environnement, on n'isole pas l'environnement de son individu. Il y a évidemment quelque chose qui est à analyser de manière croisée et systémique, comme son nom l'indique. Donc, ce sont des sujets qui nous passionnent. Voilà, Soizic, il est midi 15, on a explosé le temps. J'espère que vous ne vous en voulez pas. Vous êtes encore très présent et on vous remercie. L'idée, c'était qu'on fasse connaissance, que vous découvriez un petit peu notre manière d'appréhender ces sujets-là. Perfengo est lancé. Perfengo est à votre écoute. Soizic, je te remercie infiniment pour tous ces points d'éclairage, ton énergie, ta bonne humeur. Alors, super, je vois des petits messages. Vous êtes apparemment content. Il s'est passé des choses. Soizic, je te donne la parole pour un petit mot peut-être pour nos participants. Oui, c'est en lien avec les questions. C'est le fait que le professionnel RH, maintenant, en fait, il a un enjeu encore plus grand, mais un enjeu en fait dont il faut être fier, parce que c'est génial, tous ces changements, c'est génial, toute cette évolution. Effectivement, ça demande d'apprendre, ça demande de se repositionner, ça demande de réfléchir à comment on peut faire mieux les choses. En intégrant les solutions aussi à disposition, il y a des solutions digitales. Effectivement, le smart working, c'est génial parce que ça nous fait gagner un temps de dingue. On sait comment la personne fonctionne, on sait comment on fonctionne et surtout, on sait ce qu'on doit mettre en place en termes d'accompagnement, en termes de formation et pour justement faire en sorte que les personnes se sentent bien, donc qualité de vie au travail, santé également et puissent performer dans de meilleures conditions et créer de la valeur pour notre client final. Donc, effectivement, le marketing, c'est une compétence à intégrer. La dimension analytique RH, analytique workforce et utiliser la data à bon escient, eh bien, ça se fait au fur et à mesure, un peu comme on dit en Côte d'Ivoire, et bien sûr intégrer les bons outils. Moi, je pense qu'à un moment, faire les choses dans la douleur avec des méthodes archaïques, ça ne vaut surtout pas le coup. Il y a des choses qui existent et Perfengo a été créé pour ça, okay. Faire en sorte que les professionnels RH puissent disposer des bons outils, puissent se former et puissent évoluer en tenant compte des réalités business et des réalités environnementales. Et ça, c'est fun. Merci Soizic, merci Aïcha, merci Hervé, merci Hugues, merci Blanche, merci Daniel qui nous mettait des gentils messages. Ça nous encourage, on est heureux de le faire. Merci de vos feedbacks. Merci à vous tous qui êtes encore là. Et on vous souhaite, on va vous communiquer très très prochainement, évidemment, notre prochain rendez-vous. On va également, Soizic, merci Hugues nous dit pour la contextualisation, la Côte d'Ivoire, c'est important. On avait aussi des participants, je crois, qui étaient au Cameroun et dans d'autres pays, donc c'était top. C'est ce que l'on souhaite. Donc, une vraie dédicace aux Camerounais également. Et donc, on vous retrouve très très bientôt. La présentation, elle sera faite, rapprochez-vous de Frédéric. Et il vous donnera, il vous enverra la présentation. Et évidemment, rappelez-vous de Frédéric si vous êtes intéressé par nos solutions, notamment le smart working. On sera très heureux de vous le présenter, de vous faire des démos personnalisées. Nous sommes présents, Perfengo, sur Twitter, Instagram, Facebook. Donc, c'est aussi une manière de poser vos questions et de vous relationner avec nous. Nous sommes à votre service. Nous avons été très heureux de passer ce moment ensemble. Et on vous dit à très, très bientôt. Bye bye. Salut, prenez soin de vous, encore et encore. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Merci.